Est-ce que tu aurais des conseils ou pas à me donner pour le championnat du monde? Salut Jeanne, ça va? Ouais, et toi? Ouais, bien arrivé? Ouais, nickel. Cool. T'as vu la mer? Ouais. Un petit peu plus gros que prévu. Ouais, un petit peu gros, ouais. Comme là, c'est gros et le deuxième spot, ça ferme un peu. Bah, je pense qu'on peut aller à Cabreton. Bah, en ouais. En plus, il y a le skatepark là-bas, donc. Ouais. Vous voulez aller maintenant ou on peut faire un petit tour du site si vous voulez? Ok. Site de compétition. Ouais. Ok. On va te montrer un petit peu les coulisses de la compétition, comment ça se passe, et Tia va t'expliquer un petit peu son monde à elle. Ok. Allez, go, c'est parti. Là, il y a le panneau d'information, donc c'est pour voir quelle lit tu passes et on peut voir les couleurs de ton lycra. Okay. Et du coup, bah, tu vas prendre ton lycra comme tu sais quelle couleur t'es. Là, il y a les panneaux de priorité, donc priorité 1. 2, 3 ou 4. Ok. Là où il y a les vides, bah, c'est là où il y a les juges qui disent le score de ces vagues. Genre là, comment c'est raide? Genre là, c'est super raide. J'ai mis au moins une demi-heure à m'habituer au bol. Je vous propose qu'on commence ici, d'accord, devant. Les vagues, elles sont pas mal, il y a une belle droite. Ouais. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que les gens sont pas très forts. Alors on y va. Ouais, c'est parti. Les vagues, elles ont l'air pas mal, hein. Ouais. C'est plutôt petit comparé à Anglette, mais il y a des petits morceaux. Ouais. Il y a des petites double up. Les gauches, elles ont l'air de fermer un petit peu, mais. Ouais. Il y a des bonnes droites. C'est assez rapide, hein. Ouais, t'as vu, regarde la série là. Et sinon, à chaque compétition, toi, tu fais des petits trucs. Comme par exemple, moi, avant une compétition, moi, j'écoute de la musique. Ou je m'échauffe avant de faire la compétition, faire mes runs et tout. Moi, je fais un petit échauffement pour me mettre bien sur mes jambes et pour être un peu plus dynamique. Bah, d'ailleurs, je vais te montrer. Hein. Bah là j'ai fini mon échauffement, on va en profiter et puis on va aller surfer. Hein. Bah nickel, vas-y, chaud. Ça fait super longtemps que j'avais pas surfé. J'ai repris des nouvelles sensations. J'ai réussi à faire au moins 2-3 rollers. Ça faisait longtemps que je les avais pas fait. Je les maîtrise pas trop encore, mais j'ai réussi à mieux m'améliorer. Donc ouais, j'ai kiffé. C'était une belle session. On avait croisé un hippocampe. Ouais. Oh, l'hippocampe, en plus, ce qui paraît, c'est hyper rare. Donc. Mais on a réussi à prendre au moins des belles vagues. Bah ouais. Moi, j'ai belle eu quelques réussites. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'était chouette. C'était vraiment trop. Ouais. Bah, on va manger, hein. On va manger.
T'es stressée pour la compétition demain? Ça va. Bah, j'ai pas regardé contre qui j'étais, donc je pense pas que ça vaut la peine de regarder. Et toi, t'as des compétitions de skate qui... J'ai le championnat du monde en début octobre à Rio. Mais après, ça va, bon, c'est ma première Coupe du Monde. Je suis pas trop stressée non plus. Mais après, voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Après, on va voir ce que ça donne. J'essaie d'aller au moins aller en demi-finale, ça serait déjà au moins pas mal, au moins d'être qualifiée pour un maximum de points pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Moi, j'ai été en juillet. Ouais. C'était le championnat du monde, pareil, mais en surf. Du coup, c'était vraiment, vraiment bien. C'était une super expérience. C'était la première fois que je faisais. Ah, je suis pas trop contente, mais quand même un peu, parce que j'étais la plus jeune qui participait. J'ai fait 4e mondial. Est-ce que tu aurais des conseils ou pas à me donner pour le championnat du monde? Ne pas stresser, faire du mieux que tu peux, montrer ton potentiel. Ok. Et aller sur podium. essayez, voilà. Et sinon, le groupe sort, c'est quoi comme compétition en général? Le Grand Search, c'est organisé par Rip Curl. Il y a plusieurs catégories, je pense que c'est jusqu'à cadet ou peut-être junior. Et puis je crois qu'il y a les benjamins, il y a les minimes, donc moi je suis un minime. Puis voilà, je vais participer demain. Et donc toi plus tard, tu aimerais être surfeuse pro, donc faire les JO? Ouais, mon rêve c'est vraiment d'aller en 2024 faire topo et faire des gros tubes. Et sinon, j'aimerais bien être sur le circuit mondial. Et toi? C'est vrai que moi aussi, mon rêve c'est aussi d'aller à Paris 2024. Donc déjà, j'ai déjà la Coupe du Monde. Après, on verra la suite, il faut avoir un maximum de points. Si ça passe pas pour 2024, donc il y a Los Angeles 2028. Après, moi j'ai super hâte d'aller à Paris si j'y vais. Ça serait une expérience incroyable. Pour moi, comme c'est dans mon pays que ça se passe, donc ça serait super cool d'y aller. Et d'ailleurs, on va aller au skatepark de Cap-Breton. Tu le connais? Ouais, je le connais très bien. C'est vraiment un skatepark vraiment cool. Il est facile à rider. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas skaté, donc j'espère que je ne vais pas être trop ridiculisée. Mais bon. Non. T'inquiète, je vais te donner plein de conseils. De toute façon, le but, c'est qu'on s'éclate au maximum. Après, voilà. Bon, mais ce que je te propose, c'est que je te suis derrière toi, comme ça on peut entrer le parc en même temps. C'était parfait celui-là. Ah, il était trop beau, hein. Ils sont énormes, tes Protec. C'est dommage parce qu'il y a toute une mousse dedans et quand tu fais les gros impacts, mais en fait ça te bloque, mais en fait ça te permet à ne pas te faire mal sur les impacts. Pour moi, c'est des normales. Ouais. Nickel, on y va? Donc là, on va faire une session dans le bol. Comment tu te sens? Le bol, ça ressemble un peu au surf, il y a des courbes, au carbé, ça ressemble à des vagues. Enfin, je fais pas trop des gros tricks et tout, hein, comme ce que tu fais, c'est comme ce que tu sais faire, hein, mais bon, je vais juste faire doucement. Moi, je te ferai une petite démo. Toi, tu vas trucking comme tu as la compète demain, il faudrait pas que tu te blesses. Ok, bah, on y va.
Merci. C'est impressionnant. Merci. Bon, ben, du coup, on se voit demain. Bah ouais, pour parce la compète. Que je dois aller me reposer pour la compète. Donc, ouais, bah ouais, voilà. T'as raison. Hein. Au lieu pas de s'inquiéter, se calmer un peu et se concentrer pour demain. Bah nickel. Salut. De la part d'Arsène Moindro, nul en dé de Sougor. Ça va? Coucou. Alors? Ça va. Ah, t'es stressée ou quoi? Non. Non? Tu pars à l'eau dans combien de temps? Je vais commencer dans deux séries, là je vais m'échauffer, mon père va préparer ma planche et j'ai juste à m'échauffer et à partir dans l'eau. Surfeur qui nous vient de Vendée, des Sables de l'Aulne, 2.38. C'était comment, t'as trouvé comment les vagues? C'était dur. C'était dur? Ouais. Mais après, j'ai eu de la chance. Maman, je sors beaucoup mieux. Mais... Dernière vague du rouge devant. Moi, c'était super cool d'avoir fait ça ensemble. Le skate, surf, échanger et tout. Hein. Manger aussi. Top là avec ça là. Hein? C'est quoi ça? Ça va, mais ça part. Vous pouvez encore les applaudir. Gassien Delahaye et Tia Zebrowski pour la team d'Akaïn.